N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de GoviNews. Non, monsieur Nabuja Brahima, je suis encore revenu parce que j'ai trouvé votre deuxième audio. Oui, c'est toujours 5 étoiles, capitaine. Un enfant qui n'a même pas fréquenté. Or, j'ai parlé français, j'ai pas parlé tchokosé. J'ai pas parlé bassar, j'ai parlé français. Mais tu as mieux compris ça. Quand tu as savoir que je m'adresse à toi. Donc, est-ce que fréquenter au Togo, bon, ça n'a aucune importance pour le moment. Pour le moment, bon, ça n'a aucune importance. C'est pourquoi je vous ai dit dans, dans mon premier audio que moi, je n'ai pas fréquenté et ce n'est pas la peine de fréquenter avant de voir la politique togolaise. Oui, monsieur Nabuja. Et de toute façon, ce que vous avez parlé, vous avez dépassé. Tout ce que tu as employé, ce sont des mots que vous employez en cachette sur PNP. Sinon, moi, je ne suis pas un membre de PNP. Ça, je te rappelle encore. Je ne suis pas un membre de PNP. Et encore, PNP ne m'utilise pas. Quand j'étais dans ARC, là, tu ne m'as pas dit que ARC m'utilise. Hein? Oui. PNP ne m'utilise pas. Non, je ne suis pas un vélo. Et je n'attendais même pas les sommes de mes financiers ou bien quoi. Non, non. Nous tous sommes chez l'alternance. Tu as utilisé un mot qui m'a un peu touché. On ne peut pas changer un pays avec une seule ethnie. C'est ça vos phrases, dans vos petits groupes en cachette. Là. Ce sont des phrases que vous employez. Qui t'a dit que PNP veut changer pays avec une seule ethnie? Et quelle ethnie? Quelle seule ethnie? Dans la réunion hebdomadaire de PNP, on parle d'une seule ethnie. PNP, Mango, ce sont des thèmes qui sont là-bas. Oui, PNP Mango, ce sont des thèmes qui sont là-bas. PNP Bassar, ce sont des thèmes qui sont là-bas. Tchamba, ce sont des Kotokoli qui sont là-bas. Il faut voir comment vous-même, vous... parce que partout au Togo, où il n'y a pas PNP, tu cherches PNP où? Dans quelle ethnie tu ne vois pas PNP? Dans quelle ethnie tu ne vois pas PNP? Monsieur Nabuja, si vous voulez parler d'un individu, parlons ensemble d'un individu et non un parti. On parle des partis différents. Un parti, c'est différent par rapport à un individu. Moi, ici, je suis citoyen, individu. C'est que je suis, comment l'appelle-t-on? Je suis un membre, quoi, de PNP. Aujourd'hui, je suis dans PNP. Demain, je peux faire l'audit. Je ne suis pas dans PNP. Personne ne peut m'attacher. Je ne suis pas le fondateur. Je ne suis pas un fondateur du PNP. Ah, monsieur Nabuja, ce n'est pas un seul ethnie qui fait ça. Il faut 40 ethnies avant de changer le pays. Depuis là, vous étiez où? Et il y avait combien d'ethnies derrière toi? Cet pays n'est pas encore changé. Il faut voir. Il faut 40 ethnies avant de changer, trouver à l'alternance. C'est dans quelle histoire on a écrit qu'il faut, ça, il faut trouver 40 ethnies? On peut trouver même 100 ethnies. S'ils ne sont pas volontaires, on ne peut pas changer le pays. Même 1000 ethnies. Ce n'est pas la quantité qu'on veut, on veut la qualité. On peut trouver 3 Kabéens, 2 Kotokoli, 5 Aïbé, 1 Bassar, 1 comme ça, 1 Tokosé, 3 Moba comme ça, on peut changer le pays. C'est que ça dépend de notre solidarité, notre détermination. Ils n'ont pas parlé qu'on ne peut pas changer un pays avec un seul ethnie. Quel seul ethnie? Ce sont des mots que vous êtes employés, les phrases, les petites phrases dans vos petits groupes, dans les oreilles de nos mamans, dans les oreilles de nos vieilles, dans les oreilles des illettrés comme nous. Mais maintenant, Togolais d'aujourd'hui n'est plus Togolais d'hier, monsieur Nabuja. Je n'ai pas le temps pour vous parler beaucoup. Ce que je t'ai répondu, c'est simple. Tu nous dis d'aller accueillir qui? Or, tu as dit que les Togolais n'ont qu'à faire la même bouche. Nous sommes en train de faire la palabre. Je vous ai dit que ne mélange pas les Togolais. On ne fait pas palabres ethniques au Togo, ni religieux. Tu as dit que les Togolais font les palabres, ils ne sont pas la même bouche. Quel Togolais tu appelles encore pour aller accueillir? Ceux qui sont filles ou bien ceux qui sont au Togo ici? Merci d'avoir me répondre et merci à moi aussi d'avoir vous répondre. Je ne comprends pas français, mais je sais que ce que j'ai parlé, tu vas comprendre. Que Dieu fasse, tu comprends plus que ce que je voulais parler. Comme vous avez un peu fréquenté.
par rapport à moi. Merci. Ouais, chers Togolais, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir les combattants de lutte. Je salue tous les Togolais, ceux qui sont au Togo et à la diaspora. C'est moi, votre capitaine. Oui, 5 étoiles, votre petit frère. Voilà. Je suis rentré dans cette soirée sur Nabuja Bouraïma ou bien Nabuja avec Agouzou Ricardo. Vous les jeunes politiciens là, vous aussi, le rythme que vous êtes en train d'utiliser, il y a ça dans nos mains. Togolais d'aujourd'hui n'est plus Togolais d'hier. Vos rythmes que vous êtes en train d'utiliser maintenant, ça, le rythme là, il y a ça en même temps dans nos mains. Si vous ne pouvez pas faire cette lutte-là, de un même, et de un, on ne vous connaît même pas. Vous êtes quoi même? On ne vous connaît même pas. Là où vous aussi vous allez, et où vous êtes déjà arrivé, on est déjà venu. Hein? Vous aussi, vous allez venir parler avec vos bouches. Vous allez venir parler avec vos bouches. De quoi vous êtes capable, de quoi vous êtes en train de lutter. Vous aussi, vous avez parlé, vous allez parler. Méfiez-vous, hein. Méfiez-vous. On ne veut plus parler beaucoup avec vous. C'est qu'il ne faut pas nous empêcher. La route que les Togolais ont pris là, il ne faut pas nous empêcher. Toi qui nous as dit que les Togolais n'ont qu'à laisser par là. Venir faire la même bouche. C'est toi qui appelles les Togolais. Quel Togolais tu appelles encore? Et tu avais dit avant-hier que Togolais ne fait pas par là entre Togolais. Peut-être c'est vous, vos propos qui veulent mélanger les Togolais. Vous-même, vous voulez séparer les Togolais. Toi à Nabuja avec Agouzou là, votre club que vous avez fait là, votre club que vous avez fait maintenant là, vos propos, il y a ça déjà dans nos mains. C'est vous qui veut mélanger les Togolais. C'est vous qui veut partager, séparer entre les Togolais. Mais on va vous dire la vérité, au nom de Dieu, d'aujourd'hui jusqu'à demain, vous ne pouvez plus partager les Togolais. Les Togolais sont plus soudés. On n'est plus soudés. Tu nous as dit la fois passée que dans ton audio que les Togolais n'ont qu'à venir faire la même bouche et battre le régime. Et je t'ai dit que les Togolais ne font pas parlable. Il n'y a pas parlable entre Togolais et Togolais. Et tu avais dit ça. Maintenant, c'est toi qui appelles les Togolais de venir accueillir qui est. Tu crois que nous sommes les moutons, quoi. Tu crois que Togolais est mouton comme c'est vous qui sont des moutons. Vous nous regardez comme quoi, des sauvages. Quoi. Vous nous regardez comme des sauvages. Plutôt, c'est vous qui sont des sauvages. La petite classe que vous avez fréquentée, en parlant français, sur les langues, en disant que on vous a couché à la France, au France ou bien comment même, je ne sais même pas. Vous, regardez, méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous beaucoup. Vous voulez séparer les Togolais. Les Togolais ne vont... Maintenant, les Togolais qui sont déjà séparés, tu les appelles de venir accueillir qui est. Maintenant, de venir les accueillir, les Togolais qui sont au Togo, bien ceux qui sont déjà séparés, que tu appelles. Il faut mobiliser, on ne vous a pas demandé la longueur de vos bouches. Nabuja avec Agouzou Ricardo, rien ne vous empêche pas de mobiliser. Mobilisez! Vous faisiez la bouche que sauter civil. Depuis que le parti opposition n'organise plus les manifestations, vous avez pu organiser même demi-manifestations. La bouche, les woba-woba là. On a quitté là-bas les ingrats, les ignorants là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.